C'est le bon moment pour scanner sa main droite. Très beau transfert. Ça sent le roussi. Dépêche-toi. Mamma mia. Rendez-vous dans 20 secondes. Allez, j'arrive. Désolée, mais vous ne pouvez pas rester là. Je me suis endormi. Vous avez une salle de repos à l'étage. Ça va aller, merci. Bien, les enfants. Je vais vous en apprendre un peu plus sur l'histoire des trois royaumes en Corée. Regardez par ici. Alors, les enfants, vous connaissez sûrement l'histoire du roi Mu et de la princesse Sunhwa. Oui, mademoiselle! Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, le roi Mu entendit parler de la légendaire beauté de la princesse Sunhwa, mais elle était princesse d'un royaume qui était brouillé avec son propre royaume.
Alors, vous en êtes où avec ce modulateur nucléaire? C'est comme si c'était fait, monsieur. On vient de m'informer que c'est le président coréen lui-même qui a décidé de la production de ce tout nouveau réacteur. Si nous n'intervenons pas rapidement, la situation risque de nous échapper. Soyez rassurés, je m'occupe de tout. Vous avez un plan? Notre opération à Vichensee est déjà lancée. C'est en bonne voie. Oh, bonjour. J'ai justement rendez-vous ici. Vous êtes là pour vendre quelque chose? Non, pas vraiment. Ça vous dit de prendre un café avec moi? Ou autre chose? Désolée, je suis occupée. Attendez, ne partez pas! Je voudrais pas que vous croyiez que j'essaie de vous draguer. Je crois avoir été pourtant très claire. Je n'ai pas de temps à vous consacrer. Bon, je dois y aller. Ça fait longtemps, hein? Désolée pour le retard. Assieds-toi. Tu as l'air préoccupé. Dis-moi, est-ce que quelque chose ne va pas? Non, tout baigne, ça va bien. Alors raconte-moi, t'es bien installée? Oui, je commence à m'habituer à cette ville. Tant mieux, alors. Dis-moi, ton job te plaît? Ça va. On m'a nommé responsable de la DIS pour la Corée. Je prends bientôt mes fonctions à Séoul. On pourra se voir souvent. Ah. J'ai pas oublié ton anniversaire. J'espère que mon cadeau te plaît. Bien, commençons. Voici nos toutes nouvelles directives. Notre agence de renseignement a été chargée de recueillir toutes les informations concernant ce projet de modulateur nucléaire. Nous devons travailler avec nos collègues chinois, japonais et même nos voisins du Nord. Alors ne négligez aucune piste, c'est primordial. Rien ne devra nous échapper, est-ce que c'est compris? Monsieur, quelqu'un demande à vous voir. Il dit venir du Japon. Alors, en quoi je peux vous être utile? Je vous remercie de me recevoir. Je travaille pour la DIS au Japon. Je suis chargé de la collecte d'informations. On m'a parlé de votre mission, alors je suis venu vous voir en personne. Bien. Mais vous devriez en référer d'abord à vos supérieurs. Je le sais bien, mais j'ai préféré vous voir directement. Je vous le répète, passez par la voie hiérarchique, c'est le règlement. Avez-vous déjà entendu parler d'une organisation du nom d'Athéna? Pardon, vous disiez? Vous me parlez d'une organisation? Athéna, monsieur. Athéna. Tout est retranscrit dans ce dossier. Athéna, c'est un réseau qui contrôle tout le marché de l'énergie au niveau mondial. L'existence de cette organisation est tenue secrète des pouvoirs et du grand public. Très peu de personnes la connaissent. Les récents changements de régime en Amérique du Sud, les guerres civiles en Afrique, et même les Américains en Irak, rien n'est laissé au hasard et Athéna a toujours quelque chose à y voir. Ils ne reculent devant rien pour s'assurer de garder le contrôle. Ils sacrifient des vies humaines s'il le faut. Ils n'hésitent pas à semer la terreur. Ils vont jusqu'à déclencher des guerres. Tout récemment, j'ai pu apprendre que votre pays serait en train de développer un modulateur. Et alors? Athéna voudra s'en mêler. Tout projet d'une énergie sans son influence lui ferait perdre la face. Ils ne peuvent pas se permettre ça. Ils feront tout pour s'investir.
Athéna va intervenir, croyez-moi. Ils voudront mettre la main dessus, quitte à fomenter des attentats terroristes. Notre cible se trouve à Vicence, en Italie. Faut l'éliminer? Non. On doit procéder à un échange d'otages. Elle nous servira de moyen de pression. Il faudra juste la kidnapper. Bel Ayachi, membre d'un groupe islamiste extrémiste, le GIA, groupe islamique armé. Responsable d'un attentat contre une base de l'ONU à Alger, impliqué dans plusieurs explosions à la voiture piégée. Souvent cité à l'occasion d'autres attentats qui ont fait de nombreux morts à travers le monde. Où se trouve Ayachi en ce moment? Nous savons qu'il est ici, en Corée. Il se fait appeler Nadan, un pseudo. Plusieurs de nos informateurs nous l'ont signalé en ville. Très bien. Essayez de découvrir ce qu'il fait chez nous. Arrêtez-le si besoin. Nous avons un problème. Qu'est-ce qui se passe? Le NTS est au courant pour Ayachi. Ils l'ont mis sous surveillance. Ayachi a été tué. Je peux savoir pourquoi? On a appris que les services coréens l'avaient pris en filature. Il devenait une menace pour nous. Il aurait fait échouer notre plan. On a été obligés de s'en débarrasser. Je comprends mieux. Nous avons fouillé la chambre d'hôtel d'Ayachi après qu'on l'ait abattu. Nos gars ont trouvé la trace d'un nouveau suspect. Son nom, c'est Ominyuk. Un ancien espion à la solde de la Corée du Nord. C'est quelqu'un de très actif dans le tiers-monde. Sa mission était de surveiller les actions militaires dans ces pays. Il a fini par déserter l'armée nord-coréenne et s'est retrouvé dans de nombreuses actions terroristes. L'agent Seo Min-yuk est connu depuis longtemps de nos services. On le surveille depuis des années. Mais il y a quelques mois, il a disparu sans laisser la moindre trace. Il est temps d'activer notre agent spécial. Votre attention, s'il vous plaît. Les passagers du vol 747 à destination d'Helsinki sont priés de se présenter à l'embarquement en porte 9, hall D. Ne me dis pas que c'est toi qu'on m'envoie comme contact. C'est pas vrai. Jamais je gagne. Elle est plutôt sympa, cette maison. Tu sais à qui elle appartient? Je m'en fiche bien à qui elle est. Le plus important, c'est d'être bien logé là où on nous dit d'aller. Tu te rappelles la fois où... 110 000 habitants. C'est une petite ville. Je me demande ce qu'on est venu faire dans ce trou. C'est quoi le lien entre ces différents sites? Ils ont vraiment rien en commun. Je vois aucune logique à tout ça. Merde. Va donc nous acheter un truc à boire. Quoi?
Et pourquoi je ferais ça d'abord? Je suis ton aîné, je te signale, alors arrête un peu de me donner des ordres sans arrêt, tu... C'est bon, j'y vais, j'ai compris. Chier. Vous ne seriez pas coréenne? Madame, excusez-moi de vous déranger. On vient de m'informer que le NTS est en mission à l'étranger. Oui, et alors? Il se trouve que des agents sont à la recherche d'un terroriste nord-coréen, en Europe, en Italie, à Vichensee, madame. À Vichensee, vous dites? Qu'y a-t-il, chef? Il y a du nouveau chez nos amis. Ils ont envoyé des hommes en Italie, à Vichensee. Il semblerait qu'ils se soient mis à tête rousse. Je me demande comment ils ont réussi à remonter la piste jusqu'à toi. Hein? Je vais m'en occuper. Je vous promets que ça n'arrivera plus, monsieur. Donne-le-moi. Et quoi? Là-bas. Quoi là-bas? Le portable. Où? Ah oui. Attends. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Ouais. Écoutez-moi bien. La cible de Xiaomin est une VIP. Allez tout de suite chez elle. Ok. Et où tu vas, Jungwoo?
Et qui sont ces personnes? Je ne suis qu'une simple étudiante. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous dites une simple étudiante. Vous, la fille du président de Corée, c'est bien ce que vous êtes. En effet, c'est bien mon père, le président de la Corée. Mais en ce qui me concerne, je ne suis qu'une simple étudiante. Je n'ai aucune idée de ce que vous comptez faire de moi. Mais sachez que je ne coopérerai jamais avec vous. C'est ça. Vous finirez par changer d'avis. Au service du renseignement italien, nous demandons une totale collaboration avec le CISR afin d'échanger toute nouvelle information. D'accord. À vos ordres, madame. Mettons-nous au travail. Tu vas bien? Bonjour. Entrez, s'il vous plaît. J'ai appris que vous aviez été blessé. Ça va aller? Oui, ça va aller. Passez au peigne fin au lieu de l'enlèvement. Vous l'accompagnerez aussi. Bien. Si je peux me permettre, qui est-ce? Vous n'avez pas besoin de le savoir. Contentez-vous de faire tout votre possible pour la retrouver en vie. Reprenez le travail. Tu la connais, la nouvelle? Je crois qu'elle est... hôtesse d'accueil au NTS. Une hôtesse? Attendez! Une blague, c'est ça? On m'a dit une fois qu'il existait une force d'intervention spéciale au sein de notre agence. Vous faites partie de ces agents noirs? Excusez-moi, mais je n'ai pas le droit de parler de ça. Venez, s'il vous plaît. Nous avons les ravisseurs en ligne. Avez-vous pu tracer d'où vient l'appel? Je peux rien faire. À mon avis, ils doivent utiliser un brouilleur et leur IP change tout le temps. Impossible de remonter à la source. Je suis là, monsieur. Vous allez leur parler. Je vous écoute parler. Que voulez-vous? Un peu jeune pour négocier. Mon âge pose un problème. À vrai dire, ça m'est bien égal. Je vous appelle juste pour poser nos conditions. Ah non. C'est nous qui dicterons les nôtres. Et nous refuserons d'écouter vos revendications tant qu'on ne sera pas assuré que l'otage va bien. Et pourquoi je perdrai mon temps à vous écouter? Nous avons déjà réussi à vous identifier. Je veux juste m'assurer que l'otage va bien. Ça ne me dérange pas de vous rencontrer. Convenons d'un endroit pour en parler. Dites-moi l'heure et le lieu. Mademoiselle, est-ce que tout va bien? Qui me parle? Et où est-ce que je suis? Emmenez-la. Attendez! Ça vous va comme ça? Dites-moi ce que vous voulez. Ils m'ont assuré qu'il ne lui arriverait rien. On leur remet le docteur Kim et une heure après, 500 Young seront libérés. J'ai proposé de prendre sa place, mais ils ont refusé. Qu'est-ce qu'on fait? Avons-nous vraiment le choix? Faisons ce qu'ils veulent. Ils nous demandent de leur livrer le docteur Kim, quelque part en Chine, dans un endroit isolé. Rappelez-nous qui est ce docteur Kim. Eh bien... c'est une éminente figure du nucléaire nord-coréen, un spécialiste dans la recherche dont il était le principal responsable. Il n'est pas faux de dire que c'est quelqu'un d'important.
J'ai compris. Mais pourquoi les terroristes y tiennent tant? Il est passé chez nous, voilà pourquoi. Il a réussi à franchir la frontière il y a 3 ans. Puis il s'est rendu au NTS qui l'a placé sous sa protection. C'est un très brillant chercheur. C'est lui qui a en charge le nouveau programme de développement du nucléaire de notre pays. Alors pour moi c'est clair. Il est hors de question de le laisser partir. Certes, monsieur, nous partageons votre avis. Mais n'oubliez pas qui ils détiennent. Et nous n'avons pas vraiment le choix. Ce nouveau réacteur représente l'avenir du pays. Nous ne pouvons le brader, même si ça nous coûte. J'entends vos remarques. Mais le temps nous est compté. Quelle est votre décision? Vous devez connaître les personnes capables de résoudre ce genre de situation. Nous nous en remettrons à votre jugement. J'ai compris, madame. Je vous donne carte blanche. Contactez l'ambassade américaine. Installez-vous dans la pièce d'à côté et branchez notre matériel. Compris. On peut savoir qui vous êtes? Eh bien, pour vous tous ici, je suis le nouveau responsable de la DIS, votre supérieur. Nous reprenons toute l'affaire à notre compte à partir de maintenant. Je veux un rapport concis sur cette prise d'otage. Je veux savoir où vous en êtes. Alors, dites-moi. Lequel d'entre vous était chargé des négociations? J'aimerais lui parler. Vous venez avec moi. Que s'est-il passé? En fait, c'est pas très compliqué. Le gouvernement a demandé l'appui des Américains. En échange, ils ont dévoilé leur projet de développement du réacteur nucléaire par le Dr Kim. Et Washington a accepté de leur prêter main forte. Ce sont eux qui m'envoient, et l'objectif est simple. Nous devons récupérer la fille saine et sauve. Et toi, qu'est-ce que t'as décidé de faire? La fille du président est le cadet de mes soucis, tu sais bien. Je suis plus intéressé de retrouver notre docteur. Tu as bien vu Séomine, n'est-ce pas? Oui. Tu ne lui as quand même pas dit qui tu étais? Mais non, il ne sait absolument pas qui je suis. Tu as très bien fait. On s'occupera de son cas après cette affaire. Il devient un réel danger pour nous tous. Je comprends plus du tout ce qui se passe. Faites ce qu'ils disent. Mais on contrôlait la situation. Pourquoi demander de l'aide pour nous assister? Je ne vous le répéterai pas. Faites ce qu'ils disent. Li Jungwoo, ne perdez pas de vue votre mission. Veillez seulement à retrouver cette fille vivante. C'est là, quelque part dans ce triangle, que les ravisseurs m'ont emmené. Cette prise de vue nous permet d'avoir une idée de l'emplacement exact. En analysant l'espace et l'altitude, nous saurons assez vite où localiser l'endroit où j'ai pu me rendre. Continuez d'analyser vos données. Tenez-vous prêts à intervenir. Plus vite nous la retrouverons, et mieux ça vaudra. On se retrouvera très bientôt, docteur Kim Jong-kook. C'est un petit village de montagne perdu au milieu de nulle part. Nous n'avons toujours pas la position exacte de leur repère. Nous avons quadrillé un champ d'action approximatif pour procéder aux recherches. Regardez. Une maison difficile d'accès, mais facile à défendre. Les probabilités sont de 87%. Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, pourrais-je vous voir en privé? Le gouvernement n'a aucune intention de remettre le docteur Kim aux mains des Chinois. J'ai peur de ne pas tout saisir. J'ai pourtant veillé personnellement à ce qu'il parte. Oui, il était apparemment parti en avion pour la Chine.
Mais depuis, il s'est volatilisé. Quelqu'un nous tend un piège. J'ai décidé de la façon d'attaquer. Ce sera Silent Storm. Silent Storm? Ça prévoit un temps d'intervention réduit pour maîtriser l'adversaire, et c'est aussi un énorme risque pour l'otage. La sécurité de l'otage est un gros souci, et je ne souhaite pas qu'il lui arrive malheur, bien sûr. Mais nous n'avons pas le choix, l'enjeu est trop important. Notre cible, c'est d'abord l'ennemi. Nous devons anéantir sa force. Et peu importe le prix à payer pour les neutraliser. Tout le monde en voiture! Voici la maison où la fille est retenue en otage. Écoutez-moi. La DIS a opté pour une intervention de type Silent Storm. Silent Storm veut privilégier la force de frappe contre les ravisseurs plutôt que de se soucier de l'otage. Je n'ai qu'une chose à vous dire. Sauvez-moi cet otage et je me fiche de quelle manière. Mais sauvez-la. Je vous en prie. Chef, je dois vraiment aller avec eux? D'accord, j'ai pas mon mot à dire, quoi. Tirez. C'est une embuscade. Combien de temps il nous reste? Un peu moins de 20 minutes. Appelle la Chine et vois où ils en sont. Oui? Quelle est la situation? Toujours personne, monsieur. On s'en va. Détachez-la et emmenez-la.
Ils ne doivent pas être loin. Bloquez toutes les issues. Faut les arrêter. Allons-y. Je suis ravi que vous soyez encore vivante. Reste où tu es, t'as compris? Sinon, je lui explose la tête. Lâche ce flingue. Je te dis de lâcher! Nous sommes allés trop vite, nous sommes désolés. Mais nous n'avions pas d'autre choix. Peu importe maintenant. Washington commence à se poser de sérieuses questions. Ils détestent que la Corée leur cache des choses. Les Américains sont furieux. Ce n'est pas très bon pour les relations entre nos deux pays. Très bien. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Je peux vous parler une minute? Vous voulez bien m'expliquer ce qui s'est passé? Qui êtes-vous vraiment? Vous comprenez maintenant pourquoi toutes ces fois j'ai dû refuser de répondre à vos avances. Oui, oui, mais... Je ne pense pas avoir à me justifier. Je ferais mieux d'y aller.
On se retrouve à l'aéroport. Moi, si Yonier est vraiment votre nom. J'accepte n'importe lequel. Appelez-moi comme vous voulez. Je peux vous poser une question? On déjeune ensemble? Je peux vous poser une autre question? Je pourrais venir vous voir quand on sera de retour en Corée? Je n'en sais rien. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Si on est destiné à nous revoir, alors ça arrivera. C'est quoi? Oh, c'est pas grand-chose. Juste un tout petit cadeau. Vous avez raison. Tomber amoureux d'une collègue de travail, c'est pas une bonne idée. Surtout avec le genre de boulot qu'on fait. Mais je peux pas m'empêcher de penser à vous. Je n'arrive plus à me connecter à l'intranet depuis mon ordinateur. Ça peut être un problème avec mon code d'accès? C'est possible. C'est quoi ton poste? Au fait, il y a eu un contrôle de la maintenance cet après-midi. C'est possible qu'il y ait eu quelques ratés avec la connexion. Dites-moi ce que vous voulez, je ferai les recherches pour vous. Thank you.
Oui, c'est moi. C'est ce que j'entends. Très bien joué. Enfin, ça y est. On a finalement localisé la planque du Dr. Kim. Allons-y. Chef, excusez-moi. On a un gros problème. Quel problème? Ça concerne le docteur. Il vient d'être enlevé. Comment a-t-on pu découvrir où il se cachait? Avancez. Vous dites que le modulateur du réacteur a été volé? Il semblerait, monsieur. Comment tout ceci a-t-il pu arriver? Je peux sans doute répondre à votre question. Nous avons une taupe chez nous. Je suis désolé, madame. Le docteur Kim a été kidnappé et le modulateur du réacteur volé. Ces terroristes détiennent les clés de notre technologie. Nous avions déjà programmé l'annonce officielle de sa mise en route. Ce lancement est une date historique. Il ne faudrait pas que notre situation s'ébruite. Tous nos efforts seraient anéantis à la moindre fuite dans la presse. Je comprends, monsieur. Si jamais une telle chose se produisait, j'en assumerais l'entière responsabilité. Je démissionnerai, et je présenterai publiquement mes excuses. Qui est-il? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Ça répond à votre question? Mettez-vous au travail. Très bien. À partir d'aujourd'hui, vous pourrez continuer à travailler, sauf que vous le ferez à cet endroit même. Et vous bosserez jour et nuit. Et ne me dites pas que vous ne pouvez pas le faire, sinon... Je risquerais de m'en vouloir d'avoir votre sang sur mes mains. Ai-je été suffisamment clair? Comme vous le savez certainement tous, cette invention représenterait une avancée majeure dans la technologie nucléaire. Nous aurons 100 ans d'avance. Ce modulateur est une pièce maîtresse, une invention qui nous propulse dans une nouvelle ère. Est-ce qu'on en sait plus sur la mort du Dr. Lee, qui a été tué lorsqu'il transportait ce modulateur, je vous le rappelle? On n'a aucune piste sérieuse. On ne sait toujours pas qui sont ces meurtriers et on ne sait toujours pas qui a emmené le modulateur. Voilà comment nous allons procéder. L'ensemble de nos agents va se concentrer à la recherche du modulateur. Je veux qu'on installe une cellule temporaire dans la préfecture de Tottori, au Japon. Fouillez tous les environs. Cherchez des indices dans la maison du Dr. Kim. Cherchez partout, à commencer par les ports et les aéroports. Ne laissez rien au hasard. Inspectez les moindres recoins. Je vais demander aux Japonais de coopérer. Depuis hier soir, nous sommes en alerte maximale. Nous serons particulièrement vigilants et nous vous aiderons du mieux que nous pourrons. Comptez sur nous. Je vous remercie. Toute l'équipe doit se tenir sur ses gardes. Tu es sûre que personne ne t'a suivi? Ne t'inquiète pas, je suis très prudente. Kim s'est finalement remis au travail. Il a presque terminé, il dit qu'il lui faudrait encore une semaine. Je me disais, ce serait pas mieux que tu quittes le Japon. Tu serais plus en sécurité ailleurs. Je sais, mais toutes les routes sont bloquées et surveillées. Ce n'est pas très bon de mettre le nez dehors en ce moment. Et puis, tu me connais, je finis toujours mon travail. Une fois que le docteur aura terminé le sien, je me débarrasserai de lui. Je tiens beaucoup
à ce que le modulateur soit vraiment en état de fonctionner. En attendant, je te demanderai de bien ouvrir l'œil et de me tenir informé de vos avancées. C'est quoi ça ? Mais qu'est-ce que vous foutez, docteur ? Oh, j'ai juste fait un essai. Ça a dû faire sauter le disjoncteur. Ça arrive tout le temps, faut pas vous inquiéter. Monsieur, j'ai rétabli le courant. Qu'est-ce que t'entends par anomalie ? Le voltage du courant a atteint des proportions anormalement élevées à côté de la préfecture. Ça pourrait avoir un rapport avec le modulateur. Je vais aller y faire un tour. Envoie-moi les coordonnées de l'endroit. D'accord. Ça n'a rien donné. Je vais à Kurayoshi. Entendu. Je fais suivre l'info. On a une piste! Venez! Dépêchez-vous! Notre planque a été localisée. Il vaut mieux partir d'ici, monsieur. Il faut changer d'endroit. On embarque le modulateur. Amenez le docteur. Oui. Oui. Avec vous et partez d'ici. Pose ton arme. Lève-toi.
monsieur. Ils sont en salle de réunion. Nous avons eu l'autorisation de voir les corps à la morgue. Un agent suivra l'autopsie. On a récupéré le modulateur, il est en train d'être analysé, monsieur. Ils sont coriaces. Difficile de savoir ce qu'ils nous préparent encore. Kim est toujours entre leurs mains. Je crains qu'ils ne leur servent plus à rien. Oui? Que vous a-t-il répondu? Que ces agents ont réussi à reprendre le modulateur et que la vie du docteur Kim est en danger. Nous sommes maintenant certains qu'il y a une taupe parmi nos agents. Il va falloir être extrêmement vigilant. Oui, ça semble évident. Retrouve-moi au port de plaisance, Yunari. Pourquoi tu voulais me voir? Une envie soudaine? Ah non! Je suis venue parce que tu m'as envoyé un texto. Tu disais vouloir me parler. Très drôle. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Allez droit au but. Je veux le modulateur. Tu t'en doutes, j'imagine. Va te faire voir. C'est ça. Vas-y. Arrêtez ça! Ça va, j'ai compris, arrêtez ça! Je vais vous amener le modulateur! Mais sortez-la! Ne la tuez pas! Je ferai tout ce que vous voudrez, mais sortez-la de ce truc! Tu vois, c'est mieux d'être raisonnable. Allez. Et surtout, n'oublie pas que nous avons des yeux partout. Fais la moindre bêtise, et tu pourras dire adieu à ta jeune amie. Vas-y, je te retrouve dans un quart d'heure. Ça marche.
Même si on ne réussit pas à sauver Yéin, on ne peut pas se permettre de perdre cet appareil. Ça te dérange pas de me couvrir ? Concentre-toi sur ce qu'il y a à faire, c'est pas vrai. Ça y est, les voilà. Ils arrivent. Droit devant. Il y en a deux autres à 6 heures. Ne tire pas. Donne-moi la mallette. Arrête-toi. C'est bien. Maintenant, libérez-la. Mais bien sûr. Nous avons repris le modulateur. Rassemble toutes tes affaires et prépare-toi à partir. Il est tout près d'ici. Jung-woo, il s'en est sorti? Probablement mort. Thank you.
Vite, il y a une bombe. Faut sortir. Non, non. Yin, Yin, viens, dépêche-toi, ça va exploser. Le docteur Kim s'en est sorti. Il est mort, monsieur. Retournez au bureau. On s'en va. Je veux même pas savoir ce qui t'a pris de faire ça. Mais promets-moi une chose, tue Lee Jung-woo. Yin ! Yin ! Yin ! Vous avez raison. Tomber amoureux d'une collègue de travail, c'est pas franchement une bonne idée. Surtout dans le genre de travail qu'on fait. Mais j'arrête pas de penser à vous.
Tu fais des heures supplémentaires la nuit? Tu as sans doute une bonne raison. Je suis juste venue chercher quelque chose. Et quoi donc? Le quartier général de Washington a émis quelques réserves à votre sujet, monsieur. Ah oui, lesquelles? Les responsables de Washington m'ont demandé de les avertir en cas de comportement suspect vous concernant. Bon, très bien. Alors ce sont eux aussi qui t'ont dit de fouiller mon bureau? De fouiner dans mes affaires? La nuit, en plus? Oui. Et résultat? Tu as trouvé ton bonheur? Ne t'inquiète surtout pas. Tu peux tout me dire. J'ai découvert que... Athéna, c'est... Tu vois, je te l'avais bien dit. Ne surtout pas t'inquiéter. Non. Washington vient de m'appeler concernant l'agent Sonny Hawk. La DIS a lancé un mandat d'arrêt à son encontre pour trahison. J'ai demandé confirmation au Pentagone. Ils promettent que tout se déroulera dans les règles de l'art, histoire de ne pas perdre la face. C'est la première fois que je suis confrontée à ce genre de situation. Moi de même, madame. Où es-tu en ce moment? Pourquoi tu m'appelles? On a lancé un mandat d'arrêt contre toi. Les agents de la DIS sont en route pour t'arrêter. Un conseil, disparaît, et vite. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir à vous tous. Cet après-midi, Sonny Hawk a tué plusieurs de nos agents qui étaient venus l'arrêter. Il est toujours en fuite. Nos ordres sont clairs et irrévocables. On doit l'arrêter par tous les moyens. Comment peut-on faire? Les Américains le soutiennent. On n'a aucun moyen de l'arrêter. Désormais, il n'y a plus d'accréditation ni d'immunité spéciale qui nous interdisent de l'appréhender. Il est considéré comme n'importe quel criminel en fuite. On doit le neutraliser. Yin. Surprise de me voir. Et si... tu allumais, s'il te plaît?
Tu as bien fait ce que je t'ai demandé? Pourquoi? Pourtant, tu en as eu souvent l'occasion. Ben non, je n'ai pas trouvé l'occasion. Ça ne me semblait pas urgent de le tuer à ce moment-là. C'est formidable. Tu te mets à réfléchir maintenant. Tu refuses d'obéir à mes ordres? Tu ne serais pas tombée amoureuse de ce Lee Jung-woo par hasard? C'est pas ce que tu penses. Bien sûr. Ce serait dans la logique des choses, tu travailles avec lui depuis si longtemps. Eh oui, ça arrive entre collègues. J'aurais aimé le savoir plus tôt, tu sais pourquoi? Je ne t'aurais jamais dit d'éliminer. Yoon Ye-in ne répond plus à nos appels. Elle semble avoir disparu. Et ce, depuis 20 heures hier soir, monsieur. Nous avons lancé une enquête interne à l'encontre de l'agent Yoon. J'ai déjà enquêté sur elle. Et je n'ai rien trouvé qui puisse l'incriminer. Oui, rappelez-vous l'autre fois. Il se peut qu'on l'ait encore enlevée. Qu'en pensez-vous, agent Lee? Je pense qu'on ne saura rien avant d'avoir mené une enquête approfondie, monsieur. Alors, tu veux bien que je travaille pour toi? C'est hors de question. Ah, mais pourquoi? Je préférerais plutôt mourir que de te savoir amoureuse de cette espèce d'agent stupide. Jusqu'à maintenant, j'ai fermé les yeux sur vous deux. Mais là, à ce que je vois, tu es prête à me trahir par amour pour ce type. Je dois faire quoi, à ton avis? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi? Repose-toi encore un petit peu. Je vis un vrai cauchemar. Comment veux-tu que je dorme? Je t'en prie. S'il te plaît. Finissons-en. J'en aurai pas pour très longtemps. Je vais mettre un terme à tout ça. Attends-moi. Promets-moi juste de patienter encore quelques jours, Ye-in. Que cette conversation reste entre nous. On doit rester discret. Ceci est une mission secrète. Nous avons maintenant la preuve que Yoon Ye-in fait aussi partie du réseau Athéna. Cela ne peut vouloir dire qu'une chose, qu'elle est allée rejoindre son complice Son Ye-ok. Toutes les fuites que nous avons subies au cours de nos dernières opérations vont dans ce sens. Yoon Ye-in était bien notre taupe. Ça va aller pour toi? Comment il va? Je ne connais pas ses sentiments, mais je sais qu'il souffre. Essaie de te reposer en attendant son retour. Sa dernière mission sera bientôt finie. De quelle mission tu parles? Nos drones sont opérationnels, ainsi que les radiocommunications. Regarde. On vient de nous informer que des mercenaires nord-coréens sont entrés illégalement sur notre territoire. D'après ce que nous savons, Son Ye-ok dispose de nombreux contacts chez nos voisins, monsieur. S'il n'a pas encore quitté le pays, il est fort probable qu'il prépare un dernier gros coup. Nous devons savoir ce qu'il manigance. Chaque renseignement compte. Accédez au disque dur de la DIS et cherchez le moindre indice. N'importe lequel, mais trouvez-le.
Pourquoi nous cherchons tant à renier notre passé? Est-ce que c'est à cause d'Athéna? Est-ce qu'on doit avoir honte d'appartenir à leur réseau? Mon amour, tu peux encore arrêter. On peut tout stopper si t'as envie. Et on oubliera tout ça. Non, maintenant c'est trop tard. Je suis quelqu'un de foncièrement mauvais. J'ai ruiné ta vie pour trois fois rien. Tout est de ma faute. Alors je t'en prie. Ne rends pas les choses plus dures. Tiens, regarde un peu ça. Fais voir. C'est l'agenda de Yein. Tu sais ce que c'est? Ça ressemble à une adresse, non? Votre repas, madame. Il paraît... On m'a dit que j'allais passer devant le juge bientôt. Avant de partir, je tenais à te revoir une dernière fois. Toutes ces choses que j'ai au plus profond de mon cœur. Je n'aurai sans doute plus l'occasion de te les dire de vive voix. Même si on a peu partagé, chaque minute passée avec toi m'a rendue heureuse. Tout ça n'aurait jamais dû arriver. J'aurais dû arrêter avant, plutôt que de devenir ton ennemi. Monsieur, Sun Hyok en ligne pour vous. Il veut vous parler. Mettez-le sur haut-parleur. Je m'en occupe, monsieur. Et j'enregistre. Agent Lee, j'écoute. Parlez. Écoute-moi bien, Lee.
Je prépare un beau feu d'artifice. Quelque chose au-delà de tout ce que tu pourrais imaginer. Et tu seras aux premières loges. Mon amour, tu peux encore arrêter. On peut tout stopper si t'as envie. Et on oubliera tout ça. Sonny Hawk vient de m'appeler. Tu sais ce qu'il m'a dit? Qu'il prépare un attentat sur Séoul. Je te rassure, nous allons prendre toutes les mesures. On tentera d'éviter le pire. Mais on connaît pas sa cible. Oui, c'est moi. J'ai dû emmener ma mère déjeuner, je risque d'arriver en retard au boulot. Est-ce que tu peux me rendre un service et dire au chef que je suis bientôt là? Ah, c'est très gentil. Maman, tu veux que je te dépose au centre culturel? Ah oui, s'il te plaît, la ligne de mon bus s'arrête juste devant, et si tu veux, tu me déposes, ça m'évitera de marcher. D'accord, c'est parti. Oh, sinon c'est pas grave, hein, tu sais. Non, ça va. Ah, qu'est-ce qu'il y a? On a reçu un appel d'urgence, monsieur. De qui? L'agent Oh Suk-yeon. Bon, son département est-il prévenu? Oui, je viens de le faire à l'instant, monsieur. Elle venait tout juste de les prévenir de son retard. Est-ce qu'on dispose d'un agent à proximité? L'agent Jun Oh se trouve à quelques pâtés de maison. Très bien, appelez-le et dites-lui d'aller voir. Bien. Qui êtes-vous à la fin? C'est Son Hyok qui vous envoie? Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas difficile. Connectez-vous au serveur de votre agence. Accédez au système de sécurité et déconnectez l'ensemble des alarmes. Je peux pas. Jamais je ferai ça. Amenez-la. Mi-kyung, tu vas bien? Chaîne, c'est dans la tête. Ah, c'est non. D'accord, je vais le faire. Je le fais. Je vais le faire. Je vais le faire. Je le fais. Je peux aussi me tromper, mais notre agent est en danger. Vous en êtes certain? Elle a été enlevée. Ça ne fait aucun doute pour moi. Très bien. Trouvez des témoins. Rassemblez tous les indices qui pourront étayer votre hypothèse. Compris, monsieur. Agent Lee. Monsieur. Rendez-vous sur place. J'y vais, monsieur. Bien, tu peux amorcer le système. Oui, chef. C'est parti. Suivez-moi. Tout le réseau informatique a planté. J'ai plus de réseau. Ce fumier est là.
Oui, j'ai compris, chef. Préparez-vous. J'ai fait ce que vous m'avez dit. Relâchez-nous maintenant. Vous m'aviez promis de les relâcher. Et je vous en supplie, ma mère n'a rien à voir là-dedans. Ah si, c'est votre mère. Ah, au secours! Venez nous aider! Au secours! Le ferme! Comment ça va? Des hommes ont ouvert le feu dans le bâtiment, monsieur. Ils sont armés, mais on n'a aucune idée de leur identité. Allez mettre à l'abri le personnel non armé. Soyez prêts à répliquer, mais dépêchez-vous. Entendu, monsieur. Messieurs, n'oubliez pas, personne ne sort vivant d'ici. Oui. Écoutez-moi. Tout le personnel non armé se met à l'abri. Kang Chul. Monsieur. Je vous nomme responsable. Accompagnez-les. Très bien, monsieur. Quant à vous, messieurs, vous savez ce que vous avez à faire. Oui, chef. Mettez-vous à l'abri, compris? Pas sans vous. Allez protéger nos agents! Monsieur! Monsieur! Ça venait de notre abri. Cherchez Yein et Lin Jung-woo, et vite! Le personnel non armé devrait déjà être en sécurité. Éliminez tous les agents que vous rencontrerez. Entendu, monsieur. Dégage. Je crois que j'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Je voulais pas en arriver là. Mais tu vas souffrir.
Et assassiner tous ces innocents. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que bien que j'ai tué tous ces fumiers d'agents, je n'ai pas réussi à tuer la seule personne que j'aimerais vraiment voir morte, celle qui m'a tout pris. C'est dingue, si près du but pour te rayer de la carte des vivants. Si je disposais encore d'une vie, je n'aurais de cesse que de te tuer encore et encore. Je me ferais un malin plaisir de te détruire à petit feu. Nulle part où te bloquer. Alors nous deux, on se reverra en enfer. Et là-bas, je prendrai plaisir à te tuer autant de fois qu'il le faudra. Pose cette arme. Non, Yéine. Tu arrives trop tard. Je suis allé beaucoup trop loin pour arrêter. Elle est hors de danger. On a pu lui extraire les balles sans trop de dommages.
Mais il va lui falloir beaucoup de repos. Alors toi, réussir à s'en sortir avec une pareille blessure, tu peux te vanter d'être une sacrée dure à cuire. Repose-toi. On a un long voyage devant nous. Salut, c'est Kisu. T'es où? Je vais bientôt rentrer chez moi. Et elle? Elle a bien récupéré, elle est même sortie. T'inquiète pas. Je sais pas où elle a bien pu aller, mais... En tout cas, elle est en vie. Ah, au fait, elle m'a laissé un portable. Elle a beaucoup insisté pour que je te le remette. Je l'ai déposé au bar de Mingu. Bon, à plus tard. Depuis ce jour où je t'ai rencontré, je n'ai pas arrêté de devoir faire des choix que j'ai du mal à assumer. J'ai décidé de partir très loin. Je ne sais pas encore très bien où. Je ne sais pas encore très bien ce que je vais faire de ma vie sans toi. S'il est vrai qu'il est plus facile de survivre que de mourir, je n'arrête pas de me souvenir de tous ces gens que j'ai fait souffrir. J'aimerais tellement me faire pardonner. Je suis désolée. Merci. Le seul souvenir heureux qui me reste, c'est quand je suis allée en Nouvelle-Zélande avec mes parents. C'était vraiment chouette. C'était la plus belle période de ma vie. J'avais 9 ans à l'époque. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais si heureuse en ce temps-là. Je pensais que ce bonheur pouvait durer éternellement. Yayne,